Salut, c'est Doc. Alors ça y est, le chapitre 789 est sorti et c'était un chapitre qu'on attendait tous avec impatience par rapport à ce qui s'était passé les chapitres précédents. C'est-à-dire que la sauce avait bien monté et on voulait tous le début du combat, enfin l'arrivée de Luffy par rapport à Doflamingo. Et malheureusement, c'est ce qu'on a eu, mais il y a un truc qui va pas avec ce chapitre. Moi, j'ai jugé moyen. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y en avait beaucoup trop. D'ailleurs même, je pense que c'est le chapitre de trop. J'aurai le temps d'en parler en détail dans la critique analyse du chapitre de la semaine, le chapitre 789. En passant, j'aurai pas le temps de mettre ici les dessins, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, pour agrémenter cette vidéo parce que j'ai pas beaucoup de temps, j'ai juste le temps de faire la critique analyse. Au niveau du montage, j'ai beaucoup moins de temps et il m'est aussi arrivé une petite mésaventure, mais ça j'en parlerai à la fin de la vidéo. Donc c'est parti pour la critique analyse du chapitre de la semaine, le chapitre 789. Je pense qu'avec ce chapitre, Ishiroda a essayé de créer un climax. Un climax au niveau de la narration, c'est quand on a quelque chose qui est vraiment ascendant, c'est-à-dire qu'on a plein d'événements qui arrivent, qui sont là pour monter la pression, et on va arriver jusqu'à un climax, c'est-à-dire l'apogée au niveau de la narration, l'apogée du truc ascendant, pour justement qu'on ait encore plus envie de voir le dénouement qui est justement le combat de Dofla contre Luffy. Et j'ai bien dit Luffy et pas Luffy ou Leffy, comme souvent on me dit. De toute façon, sur ma vidéo, je dis Luffy comme je veux. Enfin bref, ça c'était un petit détail. Donc je pense que Ishiroda a voulu créer un climax, mais l'inconvénient c'est que on nous bassine avec tout ça depuis au moins deux chapitres, et justement, là on en a beaucoup trop. Tout aurait pu facilement tenir, je dis, en à peu près 10 pages, facile. Et là, on n'avait pas besoin de tout ce chapitre, surtout pour une arrivée finale au niveau de Luffy, qui est bien en un sens, mais complètement loupé d'un autre côté. Alors attention, je n'ai pas dit que le chapitre était mauvais, le chapitre a des très très bons passages. Par exemple, au niveau du décompte, j'étais totalement avec les mecs, j'étais totalement avec le plop de Dressrosa. Moi aussi j'ai fait le décompte 5, 4, 3, 2, 1, 0, on s'aurait cru justement au jour de l'an avec les confettis et tout ça, ou alors en 98 à la fin de la... du match de foot entre la France et le Brésil où on a tous été comptés et puis ouais, super champion du monde. Là c'est l'arrivée de Luffy qui était vraiment excellente avec le décompte, ça a vraiment rajouté une intensité, ça c'était vraiment très très bien amené. D'ailleurs je voudrais faire une petite parenthèse par rapport à l'arrivée de Luffy par rapport au zéro. Oui, j'aime bien faire beaucoup de parenthèses dans mes vidéos. Pour moi, l'arrivée de Luffy à zéro est très très bien faite. Alors c'est sûr qu'on a eu dans les précédents chapitres comme quoi qu'il disait oui, j'ai besoin de 10 minutes pour ravoir mon haïki au meilleur niveau. Alors c'est sûr, il n'a pas une minuterie à l'intérieur qu'il a remonté pour que ça fasse jusqu'à 10 minutes, et à 10 minutes à 0, ding, ça y est, je suis réveillé et j'arrive. Je pense que le fait qu'il soit arrivé pile poil au niveau du 0 et 2 est dû à deux événements. Premièrement, tout le peuple entier qui est en train de brailler le décompte. Ça, je vous jure, quand vous avez un peuple entier qui est en train de crier en chœur un décompte, c'est sûr que ça doit interpeller quelque part. Et justement, on voit Luffy quand il est à côté de l'eau, je crois que ça doit être à 3 ou à 5, justement, il se redresse. Donc, pour moi, le fait que le peuple ait gueulé tous ensemble, ça a permis à Luffy de prendre conscience, de mettre son réveil, et justement, quand ils arrivent tous à zéro, qu'ils soient prêts pour arriver. Et en plus, il arrive grâce à l'eau par rapport à un Chumble qui fait par rapport à Violette et par rapport à Luffy, justement c'est pour ça qu'il permet de place. On voit à un moment l'eau où il y a Violette qui est juste derrière, là où était justement Luffy au préalable, et c'est pour ça qu'il arrive juste pile poil au bon moment. C'est pas comme je redis, c'est pas comme pour les œufs à la coque où on a une minuterie, puis à 10 c'est bon, coucou, l'œuf il est cuit. Là Luffy, ça a fait un petit peu, je sais pas si vous vous rappelez, par rapport à l'arc Enies Lobby, quand il y a le speech justement de Usopp,
quand il gueule à Luffy qu'il doit vraiment se réveiller tout ça. Et justement, Luffy a toujours besoin qu'on l'encourage, il a besoin d'être emmené par l'émotion. Et là justement, quand t'as un peuple tout entier, d'ailleurs c'est très très bien fait parce qu'on se rend compte vraiment que le peuple est vraiment immense et que le peuple est vraiment derrière lui pour l'amener. Et justement, Luffy a toujours besoin de choses comme ça pour lui donner vraiment de puissance et pour arriver justement au bon moment. Et parler du speech de Usopp quand on était dans Enies Lobby, ça me permet justement de parler du speech de Guts. Ce speech qui est vraiment excellent. D'ailleurs, pendant l'arc Dressrosa, au niveau des speeches, on a été quand même pas mal servi. Celui-là de Corazon par rapport à Halo, qui est vraiment très très bon par rapport à la fin. Le speech de Riku qui était quand même aussi assez excellent, et celui de Guts, là on attend quand même un sommet. Je pense que c'est l'un des meilleurs speeches qu'on a eu dans tout l'univers justement de One Piece. Ce mec là est vraiment excellent. Encore une fois, Ichiro Oda arrive à nous amener un mec lambda qu'on n'est pas censé s'intéresser. Comme je l'avais dit quand j'avais fait le parallèle par rapport à Dragon Ball Z, c'est comme le présentateur qui avait la moustache. C'est un mec qu'on apprécie, mais qu'on ne voit pas faire grand-chose dans le reste du manga. Alors qu'ici, ce présentateur lambda, là, il a carrément son moment de gloire, et je dirais même qu'il va même jusqu'à un certain héroïsme. Encore une fois, on le voit, c'est un mec qui est bedonnant, petite jambe, il ressemble à rien. Moi, il me fait, par exemple, il me fait penser à... Je m'y connais pas trop en foot, j'aime pas trop le foot, hein, désolé. Mais il y avait un gros qui faisait la présentation, je sais plus si c'est sur M6 ou sur Canal+, c'était Guy Carlier, je crois, un truc comme ça. Bref, un gros porc qui disait des commentaires sur des joueurs de foot. Ça, c'est un truc que j'ai vraiment, que je détestais à l'époque. Je sais pas s'il était doué dans l'univers du foot ou quoi que ce soit, mais moi, voir un gros porc assis faire des commentaires par rapport à des mecs qui courent pas assez sur un terrain, moi, ça me fout les boules. J'ai rien contre les gros, loin de là, mais des gros qui s'amusent à gueuler alors qu'il n'est pas capable de faire un minimum de sport, ça me fait bien rigoler. Enfin bref, ça c'était la petite parenthèse, le petit coup de gueule. Un mec qu'on voit comme ça, donc un gros bedonnant, et qui prend Luffy sur son dos, qui dit aux autres de bien couvrir par rapport à Doflamingo, et après faire un speech. Putain, ce mec, il a des couilles en acier, c'est plus des couilles qu'il a, c'est des boules de pétanque au but. Le mec, il dit à Doflamingo, c'est le jour, c'est le moment de ton exécution. C'est vraiment excellent. En plus, comment il amène Luffy, Lucci, il explique à tout le monde que Lucci, en vérité, c'est Luffy, et que même si c'est un pirate, il faut quand même avoir confiance en lui et tout. C'est quelque chose de génial. Et tout à l'heure, j'ai parlé d'héroïsme. Quand il se prend justement la lame de fil à travers le corps, et qu'on voit une giclée au niveau de sa bouche, mais qu'il continue encore un petit peu à parler... Ce mec-là, il devient vraiment excellent. Et c'est ça que j'adore dans Ichiro Oda, dans sa manière narrative, dans sa manière de présenter les personnes. Il donne des gros moments d'héroïsme qu'on n'aurait jamais vu ailleurs. Là, ça, c'était vraiment génial. Et Doflamingo, encore une fois, pour lui, il a encore un super passage. On le voit comment il joue au chat à la souris avec Violette. Encore une fois, c'est à cause de ça, je pense, qu'il va perdre, parce qu'il s'amuse à jouer avec elle, alors que, à mon sens... Il aurait dû la transpercer, la foutre au sol, ça aurait pris quoi, 2-3 secondes, pareil pour Rebecca, et après ça lui aurait laissé une minute pour aller poursuivre Luffy et essayer de le blaster avant qu'il se réveille. En plus, l'eau dans l'état où il était, il aurait pu facilement s'en défaire. Mais non, là, lui, il s'amuse encore avec Rebecca et avec Violette, passage d'ailleurs qui est censé nous donner de l'émotion, mais moi qui m'a absolument rien donné, j'en reparlerai plus tard. On voit déjà une bonne chose, on apprend une chose par rapport à lui qu'on savait déjà au préalable, c'est qu'il adore sa famille. On l'avait vu quand il y avait quelqu'un qui s'était moqué de la voix de Pika, il avait voulu le tuer, puis il avait expliqué justement que la famille pour lui c'était quelque chose de très important. Et là on le voit dans son speech qu'il a par rapport à Violette. Il explique qu'il excuse les mecs qui font des conneries. Faut dire aussi que les As qui étaient Diamante, et non pas Diamantes, comme j'avais l'habitude de dire, Quid, j'ai bien reçu ton message en passant. Donc Diamante et Treble, ils ont fait deux conneries qui vont mener à la chute de Doflamingo. Qu'on reprenne bien l'affaire, c'est-à-dire que pour Diamante, normalement, il aurait dû garder le Meramera Nomi et il se l'est fait embarquer comme un bleu par Sabo. Sabo, maintenant, qui a le pouvoir du Meramera Nomi, et qui... met en échec un petit peu la marine, c'est-à-dire que s'il n'avait pas fait ça, peut-être que Fujitora serait peut-être resté avec Doflamingo. L'autre chose aussi, et encore pire, c'est par rapport à Treble qui n'a pas su mener à bien son rôle de garde du corps par rapport à Sugar. Et donc, toutes les personnes qui avaient été transformées en jouets
ont pu redevenir humains, et ça a eu des très grosses conséquences. Premièrement, tout le monde a eu la mémoire qui s'est révélée et se sont souvenus des personnes qui avaient été transformées en jouets. Et donc, ils ont compris que Doflamingo s'est bien moqué d'eux. En plus, tous les combattants du Colisée sont redevenus humains. Ils ont pu combattre et ils ont pu faire le barrage pour amener justement Luffy au point où il en est pour combattre Doflamingo. C'est-à-dire que si Sugar avait toujours maintenu son niveau avec tout le monde en jouet, peut-être que Luffy n'aurait pas atteint Doflamingo. Ça, faut quand même les garder à l'esprit. Donc, il dit quand même qu'il pardonne les conneries des autres. Par contre, une chose qu'il pardonne pas, c'est la traîtrise. Et par rapport à ça, il va s'amuser à Violette en refaisant justement le truc des marionnettes qu'on n'avait pas vu depuis longtemps et en prenant Rebecca pour qu'il tue justement Violette. Et ce passage-là, on voit du sadisme. Et encore une fois, Doflamingo sous-estime ses adversaires. C'est-à-dire qu'il prend le temps de jouer avec Violette alors que normalement, il aurait dû la blaster rapidement et aller courir vers Luffy pour le foutre lui aussi complètement HS et qui règle les problèmes une bonne fois pour toutes. Alors ça, c'était justement pour les bons côtés du scan, mais d'un autre côté, putain que c'est long, mais merde, on le sait que cette putain de Birdcage, elle est incroyable, pas la peine de nous refaire voir encore Karate Récit, puis qu'elle arrive à couper le promontoire là où est le palais. Ça, on en est au courant, pas la peine de nous refaire voir en plus sur plusieurs pages tout le monde en disant que c'est dur et qu'il faut pousser, qu'il faut pousser. On le sait, on l'a vu pendant deux scans précédents, deux chapitres précédents, que tout le monde pousse et que c'est très dur, que tout le monde doit être là. Pas la peine de nous ramener encore une fois Zoro en disant « Luffy, dépêche-toi, là, on est complètement à out, on a presque plus d'énergie. » On le sait, tout ça. Donc, c'est ça qui est en trop, c'est vraiment ça. C'est fait pour nous amener vraiment de l'émotion, nous montrer que tout le monde est presque au point de rupture. Mais ça, on le savait déjà précédemment quand on était aux alentours des 1 minute. Pas la peine de rajouter ça pour les, comment ça s'appelle, pour les 10 secondes. Encore une fois, le speech de Gats, il est vraiment très très bon. Mais il aurait pu être réduit à 3 ou 4 pages. Il aurait eu autant d'intensité, il n'y a aucun problème. Là, il est entrecoupé de certains passages qui n'ont absolument rien à faire. Ils ne sont pas utiles parce qu'on sait déjà que c'est dur. Donc, comme j'ai dit, en 9 pages, ça aurait été parfait. C'était pas la peine de l'étirer au maximum pour que ça fasse tout le chapitre. En plus, il aurait pu mettre d'autres choses de plus important. On aurait pu revoir, par exemple, Sabo et Burgess. Ça aurait pu prendre 2 pages. Il aurait même pu faire une sorte de petit teaser en voyant, je sais pas moi, en voyant le Tucson Sunny en ombre avec un bateau derrière en disant putain, il y a peut-être quelque chose qui arrive, ça va vraiment être excellent. Ou par exemple le CP0, ou voir des personnes qui sont en bateau et qui vont arriver sur l'île Dressrosa parce qu'ils ont quand même réussi à avoir une information ou quoi que ce soit. Il aurait pu teaser quelque chose qui nous aurait fait monter encore plus le suspense. C'est ça qui, parce qu'il sert à ça ce chapitre. Il sert à monter le suspense pour l'arrivée. Donc il aurait pu mettre plein de petits éléments à droite, à gauche, qui aurait rajouté quelque chose. En plus, il y a ce putain de troll, c'est-à-dire qu'on va avoir une semaine sans chapitre. Donc, il aurait pu mettre quelques petits trucs en plus qui nous auraient permis de mettre plein d'hypothèses, comme il avait fait par exemple pour le Gear 4, quand on le voit Luffy souffler dans son bras avec le haki. Ça nous a permis de mettre plein de théories en place, de mettre le cerveau en ébullition. Mais là, on a une semaine de pause et on va parler de quoi? Parce que franchement, à part de dire comment Luffy va pouvoir OS, enfin OS même pas, comment il va pouvoir niquer en un coup, bah oui, one shot en un sens, mais comment il va pouvoir niquer la gueule à Doflamingo, c'est la question qu'on se pose, mais il n'y a pas beaucoup à tergiverser là-dessus, on sait que ça va être fait. Donc voilà, et en plus par rapport aux mecs du Colisée, encore une fois, moi je trouve qu'ils ont été totalement sous-exploités, et ça, c'est rien comparé bien sûr à Violette et Rebecca. Ça pour moi, c'est le grand loupé. J'en ai ras le cul des gonzesses, des princesses qui chialent. Ça, j'en peux plus. On a une autre dose avec l'arc des hommes-poissons. Et là, Rebecca, je ne la supporte plus. Je peux plus la voir en peinture. C'est absolument dingue. Et le fait que Violette soit là et qu'elle dise à Rebecca, et qu'elle soit donc, c'est-à-dire que Doflamingo contrôle Rebecca pour qu'elle tue Violette en un coup d'épée, et l'autre côté, il contrôle aussi Violette pour qu'elle ne puisse plus bouger. Et donc,
Là, normalement, c'est censé nous montrer, entre deux sœurs, la sorte de tragédie presque shakespearienne. C'est-à-dire que c'est la sœur qui va tuer son autre sœur, mais qu'elle n'est pas consciente parce qu'elle se fait totalement manipuler. Et c'est censé nous foutre les larmes. Par exemple, le fait que Violette aussi dise non, t'inquiète pas, je te pardonne, c'est pas de ta faute, c'est pas à peine de faire des cauchemars. Entre parenthèses, pas faire des cauchemars, je sais pas, moi, j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur. Mais imaginons que j'ai un frère et que j'ai une épée, puis que je sois contrôlé, puis que je vais tuer mon frère, le découper en deux. C'est sûr que je vais faire des cauchemars pendant plusieurs années, voire des décennies. Donc là, le fait qu'elle dise ça, ça a vraiment pas de sens, même si elle essaye d'atténuer. Puis voir encore une fois Rebecca chialer, pleurer par rapport à son père, qui vient l'aider, ou pleurer par rapport à Lucci, ça me casse les couilles d'une force monumentale. C'est vraiment incroyable. Je m'en bats les steaks de ça. On avait Vivi au niveau d'Alabasta, si on peut faire un parallèle entre Alabasta et Dressrosa, parce que ça se ressemble quand même pas mal sur plusieurs points. Ça, j'y reviendrai un autre jour. Vivi, elle a chialé, mais elle avait quand même du charisme. Elle avait aussi une force de caractère, puis elle allait dans le tas. Rebecca, elle sert absolument à rien. Et donc, ce passage-là qui est censé nous amener de l'émotion, pour moi, c'est passé comme un flan. Mais j'ai rien senti, j'avais qu'une seule envie, c'était de tourner les pages vite fait pour arriver au moment où Luffy arrive. Et je trouve qu'il y avait de meilleures façons de pouvoir monter la sauce encore une fois et d'atteindre un climax où on aurait eu par exemple la chair de poule ou quoi que ce soit. Ça, c'est sûr et certain. Je reviens encore sur ce passage-là entre Rebecca et Violette. J'ai chialé au moment où on a eu le passage entre la mort de Corazon par rapport à l'eau petit. D'ailleurs, entre parenthèses, mort. En un sens, j'aimerais bien que Corazon ne soit pas mort et qu'il réapparaisse un jour. Ce personnage est tellement génial. J'ai chialé. Pour la destruction d'un bateau, j'ai chialé pour la destruction du Goymeri. Rien qu'en reparler, je suis ému et j'ai les poils qui se dressent. Mais là, deux poufias au Gronibar entre une gonzesse qui arrête pas de chialer puis une danseuse de flamenco au rabais, moi là franchement, je dis non, je dis stop. Là, sur ce coup-là, je trouve que Ishiro Oda a voulu trop en donner, il a voulu trop accentuer le personnage de Rebecca et ça a servi à rien, ça a fait l'effet inverse. Bon, là, vous avez dû ressentir vraiment que je peux pas supporter le coup de Violette et Rebecca. Moi, j'aurais vu quelque chose d'autre. Bon, je suis pas au niveau d'Ishiro Oda et même au niveau des scénars, je suis vraiment pas bon du tout. Mais j'avais imaginé quelque chose qui, pour moi, à mon sens, aurait donné plus d'émotion par rapport à ce chapitre si vous voulez vraiment l'étirer. Pour moi, ce qu'il fallait absolument, c'était les combattants du Colisée qui étaient revenus, qui viennent s'occuper de Doflamingo. Ça, c'était nécessaire pour trois raisons. Premièrement, quand Luffy nous annonce qu'il a besoin de 10 minutes pour reprendre de l'énergie, et c'est à ce moment-là où après, Doflamingo en a marre par rapport à Luffy et décide de rétrécir la birdcage et de limiter ça à 3 minutes, il y avait deux problèmes. Premièrement, le problème de contrer la birdcage et mettre un barrage à Doflamingo. Contrer la birdcage, ça peut être fait par Zoro, l'amiral, Franky et les nains et le reste de la population. Ça peut parfaitement être fait. Ce qu'il fallait, c'était freiner Doflamingo. Et Doflamingo n'a pas été freiné par les combattants du Colisée lambda, c'est-à-dire les mecs qui étaient des moins que rien. Moi, je parle des autres, ceux qu'on a vus, qui ont combattu les sbires de la famille Doflamingo. Eux, ils auraient été là pour un gros baroud d'honneur parce qu'ils ont été quand même super travaillés. Ça, on ne peut pas le nier. Les personnages comme Cavendish, Xin Chao ou encore Bartolomeo ont eu un très très grand background et c'était vraiment génial. Et ils méritaient un dernier baroud d'honneur par rapport à Doflamingo. Deuxièmement, Doflamingo, ça aura encore rajouté de la badassitude et le fait que c'est un mec au pouvoir immense. Imaginez les mecs du Colisée en ligne face à Doflamingo. Et là, par exemple, t'as le géant Ajrudin qui arrive et qui veut foutre, par exemple, un super haut coup de poing. Et là, t'as Doflamingo d'une seule main. Il fait sa sorte de toile d'araignée. Puis il bloque le coup de, comment s'appelle, de Ajrudin. Et puis il le balance sans le regarder. Là, ça montre encore un pouvoir. Après, on voit les autres combattants qui arrivent à fond et qui essaient de faire du coup. Puis là, on voit Doflamingo esquiver, faire des attaques avec ses fils éveillés. Planter les mecs, les éparpiller, mais ça aurait permis de faire ça sur plusieurs cases et voir une sorte de décompte et voir chaque mec au fur et à mesure avancer, essayer de gagner quelques secondes. Ça aurait été vraiment excellent. Tu sais, on aurait trippé avec eux, on aurait été avec eux dans le combat pendant que les autres font le décompte. Et en plus, ça aurait pu permettre à Bartolomeo d'avoir un rôle vraiment excellent parce que Barto, pour moi, c'est la grosse révélation de cet arc. Dressrosa, c'est un mec super charismatique, on a envie d'être son pote. La façon dont il est fanboy par rapport
à Luffy. Moi, je me représente totalement comme lui en tant que fanboy par rapport à Eiichiro Oda. Je me projette énormément dans ce personnage et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans mon cas. Et il y aurait eu un gros final avec lui où on aurait pu se projeter par rapport à lui et encore ressentir encore plus d'émotions. C'est-à-dire que j'aurais bien vu Barto être à la place de l'eau par rapport à Luffy. Luffy qui est derrière en train d'essayer de prendre son énergie. Puis là, il y a Barto qui dit à Luffy, t'inquiète pas, je suis là pour te protéger. Avec ma barrière, tu risques rien. Puis là, il y a Doflamingo qui a niqué tous les autres mecs du Colisée. Et là, il y a Doflamingo qui arrive juste devant Bartolomeo, et là Bartolomeo nous fait un petit remake du genre Gandalf avec sa barrière du genre « Tu ne passeras pas !» Puis là, boum, il met sa barrière. Et là tu vois Doflamingo qui envoie tous ses fils et qui l'envoie dans la barrière. Et là on voit la barrière au fur et à mesure qui se fissure. Puis ça, tu sais, ça te met de l'adrénaline, ça te met du suspense parce qu'on voit qu'il y a les fils qui arrivent à rentrer dans la barrière, puis on voit Barto qui essaye vraiment de maintenir la barrière, puis tu vois Luffy derrière qui essaye de se relever, puis là la barrière elle commence à se fissurer, puis tu as un fil qui passe, puis qui transverse Bartolomeo, et Barto qui essaye quand même de prendre le fil, de maintenir pour pas que Doflamingo arrive, puis là on est dans les 5, 4, 3, 2, 1, il y a du sang qui coule de la bouche de Barto, puis là il y a Luffy d'un seul coup qui se redresse, puis là on arrive à zéro. Puis là, Luffy met la main sur l'épaule de Barto, arrive même presque à couper le fil, puis remercie Barto en disant « Ouais, grâce à toi, j'ai réussi à reprendre mon énergie. Ce que tu as fait n'a pas servi à rien. Je te dois carrément la vie. » Là, tu vois Barto complètement aux anges. En plus, Barto ne mourrait pas parce qu'il y a la princesse Menchiri qui serait là pour lui donner, les larmes pour lui redonner de l'énergie pour le récupérer. Et là, par rapport à voir l'état de Barto, Luffy serait dans une rage vraiment folle et ça pourrait peut-être le déclencher, par exemple, un Gear 5. Tout ce que je vous ai expliqué, ça aurait pu tenir au moins facile 7-8 pages, ça aurait pu faire des super doubles pages, on aurait eu de l'anticité parce que on se serait plus projeté dans le personnage de Bartolomeo ou même les Colisées que à travers les deux autres Poufias. Désolé d'être aussi vulgaire par rapport à elles, parce que c'est exactement ce que je ressens. Je n'ai pas d'empathie pour elles, donc je ne ressens pas leur souffrance, donc pour moi ça me fait chier de les voir comme ça et ça rallonge ce chapitre alors que ça n'avait pas lieu d'être. On va revenir maintenant sur, après ce moment émotion made in Ledoc, maintenant on va revenir à la dernière page qui est vraiment très très bonne à part un petit défaut. Déjà le fait qu'il y ait un chumble entre Violette et Luffy, que j'ai pas vu venir du tout et que je n'ai même pas vu à ma première lecture. Pour moi, j'ai cru qu'il était en Gear 2 et qu'il c'était une sorte de téléportation, qu'il était arrivé juste dessus. Et non, en le relisant une deuxième fois, je vois en vérité qu'il y a un chumble entre Violette et Luffy. D'ailleurs, normalement, Doflamingo avait la maîtrise de Violette par rapport à un fil, donc le chumble est quand même assez puissant pour avoir pu péter le fil et pouvoir emmener Violette. Maintenant, ce que j'ai pas apprécié, c'est comment il a arrêté le coup d'épée. Il l'arrête avec son front. Cette attaque, je ne la supporte pas. Il a une bosse avec le front qui est en forme de haki. Je ne supporte pas cette attaque. Je la trouve complètement débile. Et le fait qu'il l'arrête comme ça, fout un côté débile à l'action qui est quand même dingue. Pour moi, cette attaque avec le haki en front, il l'avait utilisé contre Odi. C'est un truc, c'est un peu rigolo. Voilà. Mais là, dans un tel moment d'intensité, c'est pas ici que ça devrait mis. Il aurait par exemple dû bloquer avec son bras en forme de haki, par exemple. Ça, ça aurait pu péter dessus. Ou voire même nous faire un petit remake de Trunks, vu que Eiichiro Oda aime bien Dragon Ball et Akira Toriyama. Il aurait pu prendre l'épée, la prendre, la retourner et la balancer par exemple sur Doflamingo, un peu comme Trunks qu'il avait fait par rapport au père de Freezer. Je sais pas si vous vous souvenez. Ça aurait été vraiment excellent. En plus, on voit qu'il a un putain de regard de tueur et je trouve que ça serait parfaitement collé. Là, on le voit et je trouve que ça vient gâcher un peu la double page qui était quand même assez épique pour le final. Maintenant, on va parler aussi pourquoi ce chapitre a été aussi long. Je pense que Eiichiro Oda essaye de nous amener la fin de l'arc Dressrosa au chapitre 800 pour nous amener vraiment un gros gros truc. Mais ça sert à rien de remplir comme ça si tu veux nous amener jusqu'au chapitre 800 parce qu'il y a encore du remplissage à faire. D'après mes calculs, on devrait arriver sur le chapitre 800 aux alentours du début septembre. Mais là, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est rempli, mais c'est mal rempli. Et comme j'ai dit encore une fois, pour moi,
ce chapitre, c'est le chapitre de trop. J'arrive justement sur la fin de cette critique-analyse et je me suis aperçu que j'ai oublié quelqu'un, c'est Cavendish. Cavendish, il y a un petit passage qui est excellent et il y a peut-être quelque chose qui a été mal utilisé par rapport à lui. Premièrement, le coup que il voit par rapport à Doflamingo et qu'il se rappelle, qu'il se rend compte qu'il n'y a plus l'eau à côté de lui. Ça, c'est vraiment excellent, c'est un petit passage comique que j'ai bien apprécié. Par contre, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il n'a pas été contre eux au moment où Violette se fait avoir, pourquoi il n'a pas été contre Doflamingo. Il aurait pu avoir son moment de gloire, parce que c'est quelqu'un qui cherche beaucoup son moment de gloire, il cherche beaucoup d'être devant les projecteurs, et c'est sûr et certain que s'il avait été, par exemple, combattre Doflamingo, il aurait pu avoir son moment à lui, et ça, je trouve que ça aurait parfaitement collé au personnage. Donc voilà, ça c'était le petit passage par rapport à Cavendish. Donc un chapitre, comme je vous ai dit, que j'ai trouvé moyen. J'ai quelque chose aussi en tête par rapport, là ça me permet un petit peu d'en parler. Je vais faire une vidéo, quand il y aura la fin de l'arc Dressrosa, je vais faire une vidéo où je reprendrai tout l'arc Dressrosa selon les différents protagonistes, la marine, la famille Doflamingo, les S, Doflamingo en lui-même, le rôle de l'eau, le rôle des mecs, le rôle de Bartholomeo, les eaux du Colisée, Luffy, les différents Mugiwara, etc. Et justement, en prévision de ça, moi il y a quelque chose que j'aimerais parler par rapport à Luffy, parce que je trouve que cet arc Dressrosa n'a pas été bénéfique par rapport à Luffy, et ça me fait vraiment mal au cœur. Luffy, on le voit complètement qu'il n'a pas le niveau pour être dans le... Il a le niveau pour être dans le Nouveau Monde, mais il n'a pas le niveau pour se friter au boss du Nouveau Monde. Dans One Piece, on sait toujours que Luffy va être là pour blaster le boss, le dernier boss, et qu'il a obligatoirement besoin de son équipage pour différentes actions, pour s'occuper des sous-fifres. C'est toujours un truc qu'on a vu, et on a besoin, et il est là aussi pour être encouragé, pour être emmené jusqu'au haut, et ça on l'a parfaitement dans les autres arcs. Mais là, on le voit qu'il est complètement, il est complètement dépassé au niveau puissance par rapport à Doflamingo. Doflamingo, il est 100 fois plus, désolé de dire ça, je vais me faire engueuler dans les trucs, c'est pour ça que j'aime pas parler de puissance, mais il est au moins 10 fois moins, Doflamingo est 10 fois plus puissant que Luffy, et Luffy dans cet arc a beaucoup trop eu besoin des autres pour arriver où il est. Il s'est pas pris beaucoup dans la gueule. On regarde en arrière, à part dans le Colisée, il s'est presque rien pris. Le combat, c'était une balade de santé. Et face à Doflamingo, il s'est presque rien pris. Le mec qui s'en est plus pris dans la gueule, c'est l'eau. L'eau a plus eu un état de héros que Luffy, lui, il a eu. Après, au niveau de son Gear 4, on voit qu'il n'a pas du tout la maîtrise. C'est normal, pour l'instant qu'il ait 2 ans. Cet arc nous a totalement montré que Luffy n'a pas le niveau. Et c'est peut-être fait pour. C'est peut-être fait pour, ça j'y dis rien, mais ça pose de sérieuses questions par rapport à la suite. Luffy va vraiment devoir se sortir les doigts du cul par rapport à son rôle de chef et à son rôle de capitaine. Il a encore des mecs hyper puissants et s'il veut les friter, il faut vraiment qu'il fasse quelque chose. Là, on a eu un remake du genre, j'ai le Gear 4, j'attaque, j'ai plus d'énergie, les gars, faites quelque chose. Parce que là, moi, pendant 10 minutes, je suis HS, allez me chercher des Red Bull qui sont dans le frigo parce que je vais en avoir besoin. Parce qu'il y a un mec en ce moment, un échappé de la Gay Pride, qui a un manteau en plume rose et qui est en train de faire chier tout le monde. En gros, c'est comme ça que ça se résume. Et donc, il y a tout le monde qui est là pour barrer par rapport aux autres, pour que lui, il atteigne un certain niveau. Et ça n'a pas lieu d'être normalement, il est trop dépendant des autres et c'est un truc vraiment qui m'a fait chier. Donc ça c'était un petit truc, je vais plus l'expliquer en détail dans d'autres vidéos que je ferai plus tard, mais ça c'est vraiment quelque chose qui est resté un petit peu ici. Vous avez été beaucoup à me demander de mettre des notes sur les chapitres One Piece, c'est-à-dire à la fin du chapitre, mettre mon note et une sorte de conclusion par rapport au ressenti. Je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire des notes parce que je n'ai pas l'arrogance de noter le travail de quelqu'un. Pour moi, quand on note le travail de quelqu'un, c'est comme si on était un prof, c'est comme si on avait les capacités pour faire la chose. Et là, c'est comme si vous me demandiez de noter la qualité du travail d'Ichiro Oda, et je n'ai pas cette prétention et je n'ai pas cette arrogance de faire ça. Comme l'a dit le chef Otaku dans son dernier FAQ, il y a des gens qui font des critiques de chapitres, des critiques d'épisodes, etc., mais qui ne connaissent pas
Le travail qu'il y a derrière un manga, le fait d'avoir lu 500 mangas ne me donne pas le droit à moi de mesurer, de quantifier, de mettre une note sur la qualité du travail de Ichiro Oda, alors que je ne suis pas capable de faire des dessins, que je ne suis pas capable de faire une narration, et que je ne suis pas capable de faire tout simplement un manga. Donc je n'ai pas cette prétention et je ne ferai pas. Par contre, ce que je peux vous faire, et c'est ce que je vais faire maintenant, c'est que je dirais si j'ai trouvé le chapitre bon, très bon, excellent, magnifique, moyen, mauvais, exécrable, etc. Ça, je peux le faire parce que c'est mon ressenti en tant que fan, et c'est aussi pour ça que j'attache énormément d'importance. J'ai dit deux fois le mot importance, hein, non? Bref, pour détailler au maximum et faire une critique analyse du chapitre, c'est aussi pour ça que c'est aussi long. Voilà. Donc j'ai trouvé ce chapitre moyen parce que pour moi, il y avait beaucoup d'éléments qui ont été amenés à l'intérieur pour créer un climax qui n'était pas nécessaire car on les avait déjà dans les chapitres précédents. Et pour moi, ce chapitre était redondant. Et le fait du passage Rebecca, ça a été très très mal amené. Et par contre, comme j'ai dit, il y a des bons trucs par rapport au speech de Gat et par rapport au décompte de la population, on ressent bien toute la souffrance. Donc voilà. Donc un chapitre moyen et surtout 2 semaines, un putain de troll des 2 semaines où Ichiro Oda n'a pas intérêt de se planter la prochaine fois parce que sinon ça va vraiment chier sa race, tout le monde attend justement au tournant. Voilà. Donc comme je l'ai dit, vous avez remarqué qu'il n'y avait pas eu ici de comment s'appelle oh, putain, faut que j'arrête, c'est comment s'appelle de d'image tout simplement parce que cette semaine j'étais super débordé donc bah, il faut que j'arrête aussi avec les donc j'ai pas le temps de faire de bien monter cette vidéo et un montage de vidéo quand tu mets des images comme ça, le temps de faire les recadrages, les placer, chronométrer et tout ça, ça prend énormément de temps, et c'est un boulot de dingue. Et en plus, j'ai eu 2 avertissements sur ma chaîne YouTube. Premièrement, dans mon intro, vous remarquerez qu'il y a une musique. Donc les ayants droit, vu que je les ai pas, je me suis pris un avertissement. Et je me suis pris un avertissement par la Shueisha. Oui, carrément, la Shueisha. Je suis fier en un sens qu'ils aient remarqué mon travail que j'ai fait. Enfin, qu'ils aient remarqué que j'utilisais plutôt leurs images. Donc, je n'ai plus. Faut que j'arrête avec les donc. J'ai plus le droit d'utiliser leur image. C'est-à-dire que si je les mets, je vais peut-être me reprendre un avertissement, puis au bout de 3 avertissements, j'ai ma chaîne qui est supprimée. Et il y a trop. Je me suis trop investi dans cette chaîne pour qu'elle disparaisse d'un claquement de doigts, que YouTube me dise, vous n'avez plus le droit d'utiliser votre chaîne. Même si j'ai déjà sauvegardé toutes ces vidéos, le temps que je les remette, je me reprendrai un autre avertissement. C'est aussi pour ça que remarquer tout ce qui se fait, tout ce que les fans font au niveau de critiques, de chapitres, il n'y en a aucun qui mette les choses parce que je pense qu'il doit y avoir des problèmes d'ayant droit puis ils veulent pas avoir d'emmerde. Peut-être qu'un jour, si j'ai énormément, énormément d'abonnés, peut-être qu'ils vont me contacter, peut-être que Glénat me contactera en me disant ce que tu fais sur One Piece, ça nous plaît, tout ça. Donc on te donne le droit d'utiliser les images. Je serai obligé de monétiser pour qu'ils me prennent du pognon, ça c'est sûr et certain. Par contre, à ce moment-là, j'en mettrai peut-être ça en place, mais là, je peux plus le faire. Dites-moi dans les commentaires si c'est vraiment gênant. Si c'est vraiment gênant, si la vidéo est trop longue, si le fait de parler vous saoule de trop, j'essaierai de trouver un autre moyen, j'essaierai de raccourcir, j'essaierai de faire quelque chose, mais je ne peux plus faire ça. Par contre, le fait de ne plus pouvoir le faire, ça va me donner plus de temps pour pouvoir faire autre chose et je ferai peut-être plus de vidéos sur les figurines, car c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc voilà, bon bah maintenant, cette vidéo est maintenant terminée, je crois qu'elle a encore dépassé les 30 minutes, hein, décidément, je blablate beaucoup. Comme d'habitude, merci du fond du cœur d'être aussi nombreux. Je vais faire une vidéo annonce pour bientôt. Comme d'habitude, allez sur le site, le page Facebook, le Twitter, etc. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Et bah justement, une petite annonce, vu que la semaine prochaine, il n'y aura pas de chapitre One Piece et donc que j'aurai pas besoin de faire de critique analyse. Eh ben, je vous ferai une petite théorie One Piece, voire même une grosse théorie. Voilà. Donc, à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez! Salut!